j'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Viens, Lagrange. Je crois que nous allons encore avoir ce soir un scandale. Fort bien, les scandales attirent le public. Je regrette, monsieur, mais ni vous ni votre maître ne rentrerez sans payer. Répétez-lui que le duc de La Feuillade ne paye jamais. Il entre. Si vous n'avez pas 30 sols pour une loge, monsieur le duc, le parterre vous en coûtera seulement 15. Ah, voilà l'auteur de cette tarte à la crème. Je vois que vous connaissez déjà les vers qui vous sont destinés, monsieur. Il n'est donc pas nécessaire que vous en sachiez davantage. Veuillez laisser passer les spectateurs. Oh, 15 sols pour voir votre école des femmes. Votre école des catins, plutôt. Vous donnez de mauvais exemples, monsieur. Comme votre épouse. Mademoiselle Béjart. Je vous prie de retirer ce que vous venez de dire. Naturellement, Molière. Tarte à la crème. Oh. Tu oses lever la main sur un duc. Fais rentrer le public. Tu es sûr que ça ne se voit pas? Mais non, tu feras un parfait Arnolf. Que veux-tu dire? Parfait dans le rôle d'un mari trompé? Le duc de La Feuillade, tu le connais? Mais non, ne recommence pas. Bon, le théâtre d'abord. Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main? Oui, je veux terminer la chose dès demain. C'est lui. Je veux quelque chose d'exemplaire. Oui, 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 je vous comprends, monsieur le duc. D'ailleurs, la guerre menace en Lorraine. Le roi a besoin de troupes. Très bien, Marche Noire. En première ligne, surtout, dans la mitraille. Comptez sur moi, monsieur le duc. Il fera un parfait tambour. Wow.
Vous reste-t-il encore une place, Monté? Non, c'est complet, monsieur. Mais venez, je vais tâcher de vous en trouver une quand même. Et lâchez-moi, brigand, arrêtez! Lâchez-moi, sale brute! Lâchez-moi! Au secours! Celui-là, celui-là. Non, celui-là est trop vieux, il n'arrivera pas jusqu'en Lorraine. Je pense que celui-là fera une bonne affaire, sergent. Celui-là, mais il est trop petit. Mais non, un tambour. Vous avez toujours besoin d'un tambour. Oui, un petit tambour. Tu feras un bon petit tambour du roi. Mais... Au recrutement, emmenez-les. Je vous le dresserai. Je vous en ferai un bon petit tambour. Je ne veux pas que vous le dressiez, je veux qu'il disparaisse, que l'on n'en entende plus parler. Mon nom. Lambert. Affecté au 3e régiment d'infanterie. Prime d'engagement, 15 sols. Signe. C'est pas l'écriture. Il y a une croix ici. Au suivant. Ton nom? Quentin. Lui, c'est mon tambour. Dix sols, signe. Un jeune tambour s'en allait à la guerre. Un jeune tambour s'en allait à la guerre et riait. Rapatapant. Un morveux en moins. Et on a bien gagné notre journée. Que rêver de mieux, n'est-ce pas, les amis? Oh oui, on s'est bien amusé. Allez, quartier libre jusqu'à demain 8h, vous l'avez bien mérité. Allez, filez. J'en ai assez, il a gardé tout l'argent pour lui. 15 ans de bons et loyaux services. Et jamais un remerciement, ça suffit. C'est bien vrai, ça. J'ai un plan. Un plan? Un plan, pourquoi? Un plan pour être riche. Il y a quelqu'un qui donnerait cher pour savoir où est parti le jeune Quentin. Et vous, vous savez où est-ce qu'on va? Ben, on va se battre en Lorraine. On est là pour ça, non? Pour la guerre. Mais non! Et puis comment est-ce que je mets ce tambour, là? Eh ben, tape dessus, c'est tout ce qu'on te demande. Rassemblement dans la cour, les tambours! Cachou, que je suis heureux de te voir. Je sais plus ce qui m'arrive. Mais tous les tambours, j'ai dit. En avant, marche. Dors bien, ma chérie. Enlève-toi cette histoire de la tête. Quentin est un garçon très gentil. Mais tu comprendras plus tard qu'il n'est pas fait pour toi. Si, je me marierai avec lui. Mais tu es noble, Louise. Une future comtesse. Et ce n'est qu'un petit comédien, il n'a pas de nom. Mais si, il s'appelle Quentin. Quentin, cela n'est pas un nom. Allons, fais de beaux rêves et on en reparlera plus tard. Si, je me marierai avec lui. Et même tout de suite. Comment, mademoiselle de Verville, vous partez? Laissez-moi, Pouillard, je suis pressée. Je dois me marier. Mais, et le plan? Je devais vous faire chanter. Plus tard, je n'ai pas le temps. Quentin m'attend. Ah, vous êtes déjà au courant? Vous saviez où il était parti? Naturellement, je sais où il est. Mais alors, si vous savez qu'il est tambour et qu'il est parti pour la guerre, je ne pourrai jamais être riche. Quentin? Tambour?
Mais c'est pas moi, c'est Marche Noire qui a tout fait. Pouillard, vous voulez être riche? Ah ben j'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas si je saurais. Accompagnez-moi, je vous apprendrai. Promis? Si vous m'aidez à retrouver Quentin, c'est promis. Moi alors je vous aiderai. Monsieur le lieutenant civil, un certain monsieur de Molière demande à être reçu. Oui, au plus tard. Je n'ai pas encore pris mon bouillon. Il est furieux, il crie, il menace d'aller voir le roi. Bon, ça va, qu'il entre. Je viens porter plainte contre le duc de la Feuillade. Il prétendait rentrer sans payer au théâtre du Palais Royal. Il a frappé un comédien du roi. C'est un dindon. Un pourceau. Du calme, messieurs. Chacun à votre tour. Vous avez une preuve? Vous pensez que c'est un chapeau que j'ai sur la tête. Et il a également frappé mon petit moucheur de chandelle, qui a disparu depuis hier au soir. Oh, vous savez, les disparitions, j'en enregistre tous les jours. Les gens ont faim, que voulez-vous? Ils préfèrent partir à la guerre. Le roi engage et une solde de soldats, c'est mieux que rien. Mais enfin, c'est ridicule. Quentin n'a pas l'âge d'être soldat. Peut-être que vous ne le payez pas assez. Vous dites qu'il s'appelle Quentin. Disparu hier au soir. Inutile d'en douter. Il ne serait pas parti sans m'en parler. Eh bien, il a préféré la gloire et il est courageux. Quentin, tambour en Lorraine. C'est impossible. C'est une machination. Je vais me plaindre au roi. Calmez-vous, monsieur. Je vais enregistrer votre plainte. Ils sont nerveux, ces comédiens. Tambour, c'est pas si mal. Je vous écoute, monsieur de Molière. Vous m'avez l'air tourmenté. Vous nous reprochez donc la guerre? Jamais, sire. Cela fait pourtant partie de notre métier de roi. Assurément. Sa Majesté voudrait-elle lever un peu les bras? Comment trouvez-vous notre armure? Rien ne pourrait mieux servir le respect et la crainte que votre Majesté inspire à ses ennemis. Oui, nous la trouvons saillante. Elle est l'œuvre d'un armurier de génie, un orfèvre. Mais, oh, elle est trop petite. Allons, c'est trop serré. Que l'on fasse venir cet armurier, et vite. Nous devons être en Lorraine dans 2 jours. Votre compliment était prématuré, monsieur. Eh bien, vous avez une requête? Si sa majesté me faisait la grâce d'accepter que pour son divertissement, je l'accompagne en Lorraine sur le théâtre de sa future gloire. Soit. Vous me suivrez si vous n'avez pas peur du bruit des canons. Halt! Vous avez un sauf-conduit? Je cherche un jeune tambour. Il se nomme Quentin. Oh, c'est la guerre, petite demoiselle. Pas une partie de cache-cache. Rebroussez chemin. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Elle est comtesse. Allez, vous dis-je, on ne passe pas. Ah! Arrêtez-les! Louise! Et que ça brille! Allez, en route! Tous en ordre, les tambours en tête! Cachou, c'était bien Louise, hein? Tu l'as vu? Pour rebrousser chemin? Pas question. On va couper par les bois. Régiment, allez, installez le bivouac. Vous, corvée d'eau. Vous aussi, tambour Quentin.
mon brave. Savez-vous où sont les armées de notre bon roi? Herr guten Tag, mein Herr. Hein? Bienvenue dans notre belle Lorraine, messieurs et dames. Mademoiselle, je crois bien qu'il ne sait rien. Filons, allez. Ah, c'est Franzos, toujours très impoli. On est seul là, non? Oui, alors? J'ai une idée. Ça te plaît, la guerre, toi? Donne-la ton idée. On pourrait filer. Personne ne nous surveille, ni vu ni connu. Oui, c'est une bonne idée. Mais moi, j'en ai une bien meilleure. Tu t'évades et je t'attrape. Le sergent nous a promis une récompense pour tout déserteur. Mais il disait ça pour rire, moi. Mais oui, ça va faire rire tout le monde. Allez, en route, en tes sauts. Cette odeur, c'est de la cuisine française. On n'est pas loin du camp. Chut! Taisez-vous, Pouillard. Ah, si, 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 je vous le dis, de la bonne nourriture. Et si... Halt! End the hog! Halt! Et pourquoi? Pas un mot, Pouillard. Il ne faut pas qu'il sache que nous sommes français, sinon on est mort. On est muet. Souviens-toi, pas un mot, sinon nous n'avons plus qu'à faire notre prière. Zwei Espionen. Was ist Ihr Name? Ah, vous êtes français? Ah, mouette. Mais vous êtes sûr de ne pas être français? Vous voulez être fusillé? Alors, vous êtes avec nous. Vous voulez nous aider? Alors, première ligne, devant les fusils. Grosse tambour, kleine tambourine. Alors, comme ça, on voulait déserter l'armée du roi? Du tout, je vous jure. Je suis généreux, aujourd'hui, on ne va pas te fusiller. Bandez-lui les yeux. L'attaque est dans une heure, vous le mettrez en première ligne. Place! Place! Le roi! Majesté? Alors, quand commence-t-on? Montrez-moi les plans. Reste à mes côtés. Armande? Où es-tu? Armande! 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 D'où sortent-ils cela? Vous n'avez rien à faire ici. Vous gênez les troupes. Armande! Je te présente le sergent Dubois. Il est prêt à nous aider à retrouver Quentin. Je viens avec vous. Vos voitures ne peuvent pas rester ici. Écartez-les du camp. Occupe-toi de ça, Jean-Baptiste. Je vais chercher Quentin. Ne t'inquiète pas, Jean-Baptiste. Fais-lui confiance. Faites place! Bougez ces voitures! Ici, on sera au calme. Mais Armand ne nous retrouvera jamais. Mais si. En attendant, on pourrait peut-être répéter. Répéter, répéter. Fort bien, Turenne. Faites engager la bataille.
Toi, le singe, si tu fais un geste, t'embroches. N'est-ce point, monsieur de Molière? Vous êtes fou, partez, c'est ici que doit avoir lieu la bataille. Où étais-tu? Tiens, monsieur de Molière est en colère. Voilà un spectacle que l'on offre rarement au roi. Veuillez prier le duc de Lorraine d'accepter une trêve de quelques instants. Non, je n'ai pas trouvé Quentin. Alors que faisais-tu avec ce Dubois? Mais on a cherché partout, Jean-Baptiste. Les voilà. Mais c'est Louise. Nous partons à la guerre. Mais je n'ai jamais voulu être gentilhomme, moi. Quentin! Mais c'est la voix de Louise. Louise! Suis mon tambour, on s'en va. Ne tirez pas, c'est la trêve. Schießen Sie nicht! Trêve! Les enfants. Majesté, le champ est libre. Ah, faites donner le canon. Eh bien, Louise, tu en as fait du chemin pour retrouver ton Quentin. Tu avais peur qu'il ne se trouve une amoureuse? Non, j'avais surtout peur qu'il ne se trouve un boulet de canon. Allons, allons. Tu ne veux pas avouer que tu étais jalouse. Tous les amoureux sont jaloux. Comme dans votre école des femmes. Mais non, Louise, comme dans la vie. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. La Cyrano, les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, qu'on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses paladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis polichinelle couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo.